Mesdames et messieurs, nous t'app mandé pour nouvelles, eh bien, mes nouvelles la tombé tant qu'on yon coup de zikler, eh bien, ça ou pas le temps de là, c'est ça lié. Fermeture frontière entre la République dominicaine et puis Haïti qui était ordonnée par le président dominicain en raison de construction canal agricole qui a été fait sur rivière Massacre dans le bord haïtien. Li genye yon gros impact négatif sur l'économie des zones en takou Dabon selon déclaration commerçant dans la zone Sayo. Mesdames et messieurs, il y a un journal dominicain qui t'a parlé avec plusieurs maîtres colmado dans la zone, plusieurs marchands, vendeurs informels, moun kap van rad pepe. Il t'a parlé tout avec président association hôtelière dans yon ville takou Dabon. Tout moun Sayo yo référé préoccupation là concernant gros problème qui gen tan gen dans zone Sayo. Et moun sa la peur pour situation, li a pas venu empirer et ouvrir pour frontière la relouvrir. Tout de suite, genye yon Toro, qui fait président association hôtelière nan Dabon, Jean nous dire ça, qui soulignait que problème nan frontière la li affecté productivité nan région ça environ à 80%. Ça veut dire, ville ça, ville frontalière ça, les Dabon, nan si yon ville qui censé là en faillite après seulement une semaine que frontière la fermé. Je fais connaître que Dabon dépend en large mesure de touristes commerciaux haïtiens capables de visiter région ça, qui yon même pour la plupart payé hôtel lorsque yon entré dans zone là, yon acheté rad et acheté produits agricoles. Pas bon ici, nous gagnons 19 hôtels. Parmi 19 hôtels, ça y est parti en 3 catégories. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Et nous gagnons environ 425 chambres hôtels. Pour l'instant, toute chambre hôtel ça au vide, puisque pas gagné client, pas gagné monde qui vini là-dedans. C'est ça que homme d'affaires là, t'es fait connaître avec journal dominicain. Monsieur estimé là, que y'a d'autres une solution avec un problème binational ça, une solution qui, selon lui-même, pas qu'elle bénéficie tout de pays yo, et puis secteur commercial République dominicaine nan. Propriétaire entrepôt yo, y'a fait connaître que avant fermeture frontière là, y'a été qu'on vend environ pour 10 000 pesos par jour. Mais journée aujourd'hui, si machin sa yo qui gen ti colmado, qui gen ti dépôt, c'est seulement 200 pesos yo entré par jour. Gen l'autre commerçant sous frontière là qui fait connait que le pot là l'ouvri pour flux haïtien entré libé, c'est 180 90 000 pesos qui ont fait par jour. Mais journée aujourd'hui, même 200 pesos yo pas capable arriver fait. Yo mandé là pour gouvernement prendre mesure pour aider commerçant yo. Pour l'instant, personne pour joindre aide dans zone frontalière malgré gouvernement te promettre que li pral acheter produit sa yo nan men commerçant moun ka produje moun ka produit pou en République dominicaine. Yo l'autre pas yo obligé la en République dominicaine pral bay plus vienne pou nan l'école yo. Si moun ki pral manger dans l'école dominicaine yo, actuellement, y'a pas qu'à manger viande cabrite, viande bœuf, l'autre viande que viande poule seulement, puisque toute quantité poule que la République dominicaine, t'es qu'on a à 20 pays d'Haïti, y'a pas qu'on qui ça peut faire avec yo, y'a obligé pral faire don avec l'école cantine scolaire yo, propriétaire entreprise avicole yo, qui produit poule, qui produit jeu, y'a obligé faire cadeau toute production ça yo. Qui donc économie ville frontalière ça yo, notamment Dabon, elle est complètement fermée après que frontière là fermée. Si nous t'es capable de garder vers commerçants yo, producteurs yo dans zone ça yo, yo fait qu'on que manque d'activité sous frontière là, liquider commerçants yo dans une situation côté yo incapable puis vendre marchandises yo et vraiment inquiété à cause de gros perte qui a fait. C'est comme sa situation a yé. Après seulement une semaine que frontière là li fermée en République dominicaine. Gros répercussions économiques ça yo, nous capables de constater jusqu'à présent, c'est en République dominicaine que y a manifesté et dans le pays d'Haïti, malgré nous consommer un peu le produit dominicain, sous marché haïtien, nous pouvons entendre trop plaigner. Est-ce que ça t'a dit effectivement, même gens, un pile expert, un pile monde estimé que fermeture frontière là, les poils affecter plus la République dominicaine que la République d'Haïti, eh bien, journée aujourd'hui, c'est une réalité. Pays d'Haïti prouvé que l'est capable de subsister même si frontière entre
lui-même la République dominicaine rete fermé. Si situation continue comme ça, au moins pendant un mois, nous suggérer pour frontière ça, pas jamais l'ouvrir encore. Qui ça nous pas produit en Haïti par exemple? Regardez avec sur écran. Tout bagay ça nous là nous produit en Haïti. Si nous produit en Haïti, ça veut dire que gen bagay que nous besoin comprendre. Nous ka travail pour nous produire. Mais gon bagay qui attire attention pendant ma préparer émission ça et mal tombé son petit vidéo. Gon zami qui parlait et monsieur parlait d'or. Et son nouvel monsieur rapporté. Et merci à Xamisa. M'paron et non monsieur. Et ti vidéo a match à point d'après le fait jodi hein. À partir de sam lagé sur écran là pour n'ap gade. Nous produit tout manger n'ap gade là en Haïti. Si nous produit yo, que n'assume responsabilité non. Que l'État li accompagne agriculture là dans pays ya. Bravo, Yuri la tortue, moi parler oui là. Là pas un politique. Yuri la tortue et Jacques Sauveur Jean, tout l'autre monde qui n'agriculture, en font gens pour nous aider pays ya. D'ailleurs sanctionnent déjà, ça dit ça Haïti pour nous travailler, pour nous rester pour nous ka bien. Mettez tête nous ensemble pour nous aider pays ya. Bay expertise nous, bay moyen que nous connaît. On imagine que quantité manger qui bloqué sous frontière dominicaine qui était supposé venir Haïti, manger au bloqué. Qu'on y a un poser question. Pour qui ça? Tant de pays, tant de la société. Pour qui ça? Manger ça ou t'es supposé venir en Haïti, qui bloqué sous frontière là, qui pas qu'à traverser, yo pas retourné manger ça yo, kay voisin, pour yo al distribuer dans zone défavorisée yo. Parce que les Dominicains a parlé, c'est un coup son pays riche. C'est pas vrai. Chargez moun pauvre, pi pauvre passen kap vive en République Dominicaine. Pour qui ça? Manger ça yo, yo pas retourner yo pour yo al distribuer yo, bay Dominicain, manger. Ouais, moi-même, gon campagne qui lance là, et m'kore là 200%. Et m'écrit sous li matin, campagne pour nous boycotter tout produit dominicain. Parce que y a danger. Non, y a gros danger de pendier sous tête nous là. Tendez bien. Y a grand goût en République Dominicaine. Pour qui ça? Manger ça yo, yo pas retourner yo pote au bay ti dominicain qui n'a grand goût. Pour qui ça yo obligé jeter yo? Réfléchissez ça. Pour qui ça manger ça au tap vin en Haïti? Qui bloqué sous frontière là, yo pas retourné yo al distribuer au bay ti dominicain, yo obligé jeter yo. Pour qui ça ne connaît? Parce que manger ça au fait spécialement pour Haïti. Tendez bien la société. Manger ça yo fait spécialement pour Haïti, ça dit yo pas fait pour les dominicains. Et sur cette pas seulement manger yo, gen un journaliste dominicain qui dit tout carrément, gen des laboratoires en République Dominicaine. Tendez ça, monsieur médecin yo. Moun qui gagne pharmacie en Haïti. Ou pas qu'on ouè moun yo alkaï médecin. Gen ba yo prescrit moun nan et puis il fin pral li mouri. Ba yo apelé. Par exemple, gon ti compris, ben m'gon demande Haïti qui rele neo melibrina. On ba yon sa. Di bon ou tête fait mal. Et c'est son on médecin Biavel kap dim li gagne. Effet négatif sur un monde, nous pas prendre encore. Tendez bien la société. Est-ce que nous connaît en République Dominicaine il y a des laboratoires qui produit médicaments spécialement pour Haïti? Est-ce que nous connaît ça? Il y a des laboratoires dominicains qui a produit des médicaments spécialement pour Haïti. Et selon ce journaliste dominicain, monsieur déclaré que c'est parce que Haïtien au malade plus, Haïtien au malade plus, et lui estime que qualité manger n'a mangé ou pas approprié. Alors que monsieur ignoré, majorité ça n'a mangé sorti la kaili. Ça dit monsieur confirme que manger la kaili yo, kap vin en Haïti yo de très mauvaise qualité. Tendez ça, Juni Jean. Monsieur confirme que manger la kali on a consommé en Haïti, yo de très mauvaise qualité, si nous croyons menti. Tendez amis ça, qui te prend extrait ça,
qui partagent avec le pays. Monsieur font BA. Chapeau. Merci pour ce travail. Et puis, nous comprenons la société. Calé genou. Prenez responsabilité. L'État haïtien. Je dis là, quel que soit côté de nos produits dominicains, nous supposons boycotter. Et en travail pour renforcer la production nationale. Richard Sénégal, moi commencel, continuel. Abed, moi commencel, continuel. Moi, émancipation, faire tweet sur ça, en continuel. Pendant qu'on a continué, produit la caille nous. Pendant qu'on a essayé, chercher d'autres partenaires internationaux pour nous avancer. Pendant qu'on a produit la caille nous, chercher l'autre partenaire pour nous acheter la caille. Tenez bien, pendant qu'on a produit tout ça, nous besoin. Essayez de chercher l'autre partenaire. Et mettez sous ça, côté ministère du Commerce, côté ministère de la Santé publique, est-ce que vous avez une idée sous qualité produit, sous qualité médicament, qui a sorti les voisins, qui a débarqué en Haïti, en tant des amis ça? Qui te partage cette information ensemble avec vous? Et moi-même, je ne connais pas ça. Peut-être ou même tout, ou pas connais ça. Est-ce côté qu'on est ici en République dominicaine, il y a des laboratoires qui produisent des médicaments directement pour Haïti? Médicaments ça yo, pas des dominicains qui consomment médicaments ça yo. Si c'est moi qui dis ou qui doit pas quoi, mais c'est un dominicain qui dit, un journaliste dominicain qui dit. Entendez? Aquí hay laboratorios médicos que solamente producen medicina para Haití y no venden aquí porque el haitiano se enferma más producto de las condiciones que vive. El haitiano consume más medicina, come comida de menos calidad. No. Es que no quizá no me no es que no quizá no pa. Hay dos bagay mi siti. Premièrement, question médicaments. Et deuxièmement, je me suis dit, haïtien, c'est un peuple qui mange mal. Haïtien, pas consommer, manger de bonne qualité. Est-ce qu'on comprend? Mais laboratoire ça, qui a produit médicaments, ça y est, directement pour haïtien, pour qui est-ce lié? Est-ce que c'est pour dominicain? Ou bien c'est pour quelle grosse autorité dans le pays d'Haïti? Pour qui ça, dominicain pas consommer médicaments ça ou la caille? Ça veut dire, automatiquement, médicaments ça ou fin fait, yo stocké yo, et puis direction Haïti. Médicaments ça yo, yo pas rentré dans la pharmacie dominicain. Dominicain pas consommer médicaments ça yo. Yo fait directement pour Haïti. Maintenant qui ça nous prend? Maintenant qui ça? Autorité dans le pays d'Haïti, la guerre pays d'Haïti. Pour Saint-Domingue, a produit médicaments directement pour Haïti. Monsieur parlé de manger que Haïti a consommé qui pas de bonne qualité. Mais il a oublié si majorité manger Haïti a consommé, il a oublié si c'est en République dominicaine qui sorti. Manger que Haïti a consommé, puis il faut manger ça, il sorti la caille. Ça veut dire, manger qui pas de bonne qualité, qui haïtien a consommé, c'est lui qui voyez ba nous. Nous-mêmes, nous consommons parce que la caille pas bon. Nous pas de monde qui a pensé pour nous. Maintenant, qui ça? Autorité dans le pays d'Haïti, la guerre pays. Question canal là, pas de campé. Médicaments, yo pas consommé la caille, yo voyez ba nous. Manger qui pas de bonne qualité, yo. Yo pas manger yo, yo voué le banou. Et c'est ça qui cause tout problème nous dans le pays d'Haïti. Journaliste ça, il fait qu'on est haïtien malade souvent. Parce que manger n'a pas manger yo, yo pas de bonne qualité. Si c'est moi qui te dis, ou te genou pas d'accord, ou te genou fâché. Mais si on dominicain qui dit, on retend encore, pour qu'on comprenne plus bien. Aquí hay laboratorios médicos que solamente producen medicina para Haití. Y no venden aquí, porque el haitiano se enferma más, producto de las condiciones que vive. El haitiano consume más medicina, come comida de menos calidad. No. Nous comprenons que nous avons raison pour nous lever camper, pour nous gagner un lot Haïti. Nous devons lever camper pour nous gagner un lot Haïti.
yon lot génération. Si monsieur qui n'a ghetto yo, monsieur, dépose ça. Bay peuple en chance pour que nous capable vivre dans pays nous. Nous prend trop humiliation dans mes lot nation. Il est temps pour gagner lot Haïti. Lors fin garder vidéo ça s'il vous plaît. Partagez-le pour un lot zami. Partagez-le pour ti monsieur qui n'a ghetto capable tendil. Partagez-le pour qu'arrive dans zoway autorité sangouin qui nous gagne dans pays d'Haïti. M'pense que c'est créole, nous t'en déassez, pas vrai. M'a demandé Père Gauthier pour le chercher extrait comme t'es parlé, et puis pour le voir, il va y peuple là-bas.